Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va continuer Resident Evil Révélation et nous sommes donc à l'épisode 5 des secrets dévoilés. Alors sans plus attendre, on va continuer tranquillement les jeux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. Voici le virus T-Abyss. Nous sommes équipés pour contaminer un cinquième des eaux de la planète. Ils veulent se servir du virus pour lancer une nouvelle attaque. Ils veulent la vérité sur Terra Grigia. Et la vengeance. Raymond. Le cadavre que t'as vu tout à l'heure. Envoyez une équipe à Baikonen Moki. Il faut trouver ce bateau, Brian. Je vais envoyer Quint et Kiss. Oh, je déteste la neige. C'est la neige qui te déteste. Amenez tout ce que vous trouverez sur Beltro. Allez, on va aller voir ce qu'il nous faut sur Vectro là. On va aller rigoler un petit peu. Ou on va pleurer plutôt. Notre fameux petit couple là. Encore un petit couple de partenaires. Ici le Jackass. On est à l'aéroport de Valkoinen Moki. Ici Forkball, bien joué. Faites un repérage de la zone et poursuivez votre mission. Alors, comment vous voulez qu'on procède, O'Brien ? À vous de voir. Faites comme bon vous semble. Vous en avez mis du temps. Et au moins, on est là. Quoi de neuf sur Veltro ? Je sais pas. On n'a rien trouvé. Pas d'indice, rien. Et donc ? Il y a une pièce souterraine. On s'apprête à la prendre d'assaut. Bien, c'est un boulot rêvé pour nous, ça, hein, Grinder? Eh, attendez, on n'a pas encore reçu le feu vert. C'est bon, on s'en occupe, ok? Et puis, quand il s'agit de remonter une piste, mon copain, là, c'est le meilleur. Eh, hey, je suis juste là, Grinder. Ouais. Alors, t'as suivi Jessica chez elle? Tu sais où elle habite? Presque. Je l'ai suivi jusqu'au bout. Mais je l'ai perdu près de... Hé hey, tu me prends pour un pervers, c'est ça? Tu m'étonnes. Allez, en avant. Ces deux-là, ils m'ont l'air de bien charrier, punaise. On dirait qu'un truc va surgir. Fais gaffe où tu marches, on doit rester discret. Ouais, je sais. M'étonnerait que tu sois discret, mon gars. Ouais, d'accord, sois discret. C'est pas toi qui disais qu'il fallait être discret. Ouais, bon, même les meilleurs font des erreurs, pas vrai? Dites-moi que je rêve. Allez. Mais alors? Ah oui, d'accord. Quint, passe-moi le tournevis. Tout de suite, hein? Ah ah. Oh non, me dis pas que tu l'as perdu. Bon, alors il est où? Je suis sûr que je l'avais il y a une seconde. Attends, je parie que tu l'as perdu en trébuchant. Oh les boulets. Oh non, on a affaire à bouler avec nous, c'est énorme. Il a trébuché où encore lui? Pas possible. Espèce d'abruti. Déjà, je vais regarder une chose. Allez. Bon, ça va, on l'a trouvé ce tournevis. Et ouf, voilà. Hein. T'es vraiment un boulet, tu sais ça. Désolé, Grinder. Ça c'est clair, c'est un boulet. Il vaut mieux que celui qui a garde tout parce que là il est pas dans la merde sinon. Alors. Qu'est-ce qu'on va encore devoir faire? Un petit peu de bricolage. Ouais.
Bah voilà, rien de plus simple. Faut y aller tout doucement, tranquillement. Ok, grenades, ça va toujours être utile. On va peut-être pouvoir débloquer la zone verrouillée. Allez. Confiance en toi. Ok. Hein? Les caméras ont filmé quelque chose. Oula. C'est ce que j'ai récupéré grâce aux caméras. C'est un cargo, ça. Est-ce que tu crois que c'est Veltro? Wow! T'as vu ça? Une arme biologique? Oh merde. Ils ont un petit problème. Continue comme ça, et... Oh! Ils pouvaient pas s'en sortir. D'après l'heure, ce crash s'est passé en même temps que celui que Chris a signalé. C'est ici? J'ai l'impression que c'est... Waouh! C'est quoi ce truc? C'est un poltergeist! Hé, hey, Quint! Je change de caméra. On va voir où ça va. Il est vivant, celui-là. Chut! Tais-toi! Hé, hey, c'était quoi, ça? Je t'ai dit de te taire! Oh! Oh! Il y a un truc là-dedans! Je sais pas quoi, mais on peut pas le voir! Oh! Oh! Il a pas fait tomber un truc. Cette vidéo est vraiment réservée à un public adulte. De toute façon, le jeu est pour les adultes. D'horreur. Une des victimes a laissé ça là. C'est quoi? Ben, on va bien savoir ce que c'est. Hey, c'est l'endroit qu'on voit dans la vidéo. Ouais, bah donc fais attention. Ok, bon, on a des balles de pistolet, on a un peu de tout ici. Ouais, mais c'est pas ça que je cherche. Nous cherchons un petit objet. Alors attendez, je suis un petit peu perdu avec les touches. Ok. Non. Trop loin, d'accord. Encore trop loin. Wow. Ok, on a tout. C'est good. Attends. Ah mais non, 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 non. C'est bon. Ça, on l'a déjà eu. Oh, ça, ça sent pas bon par contre. C'est un jeton de sécurité. Je devrais pouvoir pirater le réseau principal de l'ordinateur de l'avion si j'arrive à extraire le code web de cette clé. J'ai rien compris. Mais vas-y, fais-le. Ça veut dire qu'on peut récupérer les données du cargo. Là, j'ai compris. J'en ai vu assez. Allons sur le site du crash. Alors, eux, ils sont vraiment pas mal dans leur genre. Ok. J'ai pas tout compris là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on va écraser cette petite partie. Allez, c'est un peu le what the fuck en fait. C'est pas grave. Allez, on va continuer. Vu que là, nous sommes tranquillement à l'épisode 5. Et comme vous savez, je le fais entièrement. Même si ça peut durer 5 heures, m'en fous. C'est pour mon plaisir. Surtout le plaisir de pouvoir jouer à Resident Evil. Vient ce bruit. De l'eau? Ouais. On dirait que ça vient de là. Oh fudge. Si c'est ce que je pense, eh ben je suis pas dans le caca. Pour être poli. Attendez, il y a deux passages. Oui, oui, oui. On va voir déjà de quel côté, si la bosse s'est fermée ou pas. Ouais, ça va être fermé vu que c'est... Ah. Lecteur de carte, donc c'est pas la peine. On va devoir attendre. Cool.
Ça c'était prévisible, j'ai envie de dire. Allez, on y va. D'où vient la fuite ? Oh punaise, j'ai pas de fusil à pompe. Faire couler le bateau et leur nouveau virus. C'est là où je me dis j'aurais dû prendre un fusil à pompe. Attention, il y a une voie d'eau dans la cale. Les cloisons ne peuvent être abaissées lors d'une panne d'électricité. Rétablissez le courant depuis la salle des machines. Il faut trouver la salle des machines, okay. Et vite. Bon, bah au moins on le sait. Alors, là je vais m'équiper du shotgun. Donc on revient ici. J'hésite parce que je sais que je vais trouver certainement une arme dans le coin. En espérant qu'on n'est pas trop trop loin, au pire si on trouve une arme, on la récupérera. Bon, fusil à pompe. On va s'en équiper tout de suite. On va pas faire dans la dentelle. L'eau continue de monter. Allez, il n'y a pas de temps à perdre. Et voilà, je voulais pas me faire chauffer, je me suis fait chauffer, c'est pas grave. Allez, on se dépêche. Le truc, c'est nager. Mieux vaut pas s'aventurer dans l'eau. En même temps, tu veux faire quoi? Tu es quasiment que dans l'eau. Il doit en avoir un là-dedans. Voilà, c'est bon, il y en a... Ouf. Ah là, il va en avoir, c'est obligé. Hop là. Ok, bon, il est esquivé au moins. Bon, c'est bon, on a pu esquiver lui. Ok, voilà. Ah, il est coincé. On va prendre quand même l'herbe tout de suite. Pas se faire chier. Rapport des conduits de vapeur. Heureusement que la vapeur elle est brûlante, j'ai envie de dire. Ok. D'accord, on y va. Non, par ici. Bon, c'est ici qu'on réactive le courant, mais rien ne fonctionne. Je vais essayer de trouver une solution, ok? Par contre, aïe. Que t'es cessé à notre contrôle, là-bas. Pas de problème, j'y vais. Ouh là là, là faut courir. J'ai pas envie de m'embêter avec eux, en fait. Bon, allez, on va récupérer, parce que oui, il y a des pièces là-bas, j'ai pas envie de... louper quelque chose d'intéressant et les dans le caca après. Ok, pour le moment si j'ai touché une fois on a juste dû blesser un petit ennemi. On a le plan du bateau, surtout de la partie inférieure. Ok, bon ça on peut pas le faire pour le moment. Et là, il va y avoir des ennemis. On va essayer de mettre... Ouf. Oula. Il est déjà mort. Pourquoi le shotgun? Oh mince. Allez, venez. Oh oh. Il va être dans le coin lui. Il est déjà mort en une balle, waouh. Comme quoi que c'est super efficace. Oh oh. Oh non 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 non. Oh putain.
Il va vouloir me prendre dans le dos, lui. Hop là. Avoir des petits réflexes. Je sais plus comment on fait pour bien la tirer. Voilà. Comme ça, toi, une sorte de cafard dans l'eau là. Tu vas vite te calmer. Moi qui te le dis. Oh bah. On arrive pile poil où on doit aller. C'est bon, j'y suis. À la bonne heure. Alors, attends, avant de faire ça. Tu vas voir quelque chose, non? Oh, ok. Y a pas de clé. Oh merde. Je crois qu'il faut les activer tous les deux en même temps. Alors il nous faut cette clé. Ah, tu es marrant, mais comment on pourrait faire si tu n'as pas la clé? Très intéressant. Bon, on va aller par là. Ok, ça s'ouvre pas. Super. À la bonne heure, comme j'ai envie de dire. On va aller de l'autre côté, hein. Ça doit être par là qu'on doit avoir une petite clé. Ok. Au moment, il n'y a plus d'ennemis. Peut-être que dans cette pièce, par contre, il y en aura. Eh oui. Et non. Je le sentais, hein, qu'on allait récupérer notre arme. Mais... Oula. C'est totalement foiré. Écoutez, je vais essayer de faire un truc. Bon, déjà, on va aller voir. Je vais pas l'atteindre d'ici. Alors, on va faire autrement. Mais il me refaudrait quand même ce hog. Moi j'aime bien avoir toutes les armes dans les Resident Evil. Oh. Ça tombe bien. Pour des ennemis à vaincre. Ah oui, c'est vrai que si j'ai fait ça, je vais pas pouvoir retourner en arrière. Non, c'est pas grave, on va continuer quand même par là, au cas où il y aurait une petite caisse. Ok. Plus d'ennemis. C'est vrai que là j'ai pas encore vraiment visité cette pièce-ci correctement. Pas ici. Ok, fusil à pompe. Cool. C'est ce qu'on avait utilisé. Ah non, mais je peux faire ça, c'est vrai. Partir par là. Tranquille, man. Oh mince. Je crois qu'il y en a deux en plus. Avec lui on pourra pas l'avoir tout de suite. Oh oh. Muste tout seul cette bestiole. Où es-tu utile? Il faut qu'on rétablisse le courant. Oui bah tu permets, mais moi je veux d'abord ma hog. Merci bien. Alors. Choc en plus, ouais ça va être bien. Oh, dégâts 2. Ça va permettre aussi d'améliorer mon fusil à pompe. Hop. Alors, fusil à pompe. On va l'améliorer parce que là, c'est pas que tu fais pas beaucoup de dégâts, mais bon quand même.
Ah ça, je vais bien faire des coups critiques. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal pour un fusil à pompe. Je sais pas ce que vous en penserez. Autant de dégâts, ça va, c'est plutôt pas mal. Ah punaise, j'ai pas eu le temps. Viens ici toi aussi. Non, il va m'attaquer dans le dos. C'est pas grave, je cours. Pas me laisser attaquer dans le dos. Hein, merde. Bon, c'est juste après que je vais encore avoir du monde. Oh punaise. Et après normalement je devrais réutiliser celui-ci et après je pourrais aller de l'autre côté pour aller chercher le... Bah, je pense qu'on doit aller chercher quelque chose, je sais même plus c'est quel nom. Allez, on va aller chercher la hog sans plus attendre. Elle est plutôt assez particulière la hog. Ok. Pour le moment on peut pas aller de l'autre côté, super. Non pas ça. Ah bah merde, c'était pas par là. Je suis en train de me perdre. Bah oui, je suis bête, c'est par là. Ça presti par lui peut-être. Ok, ici. Vu qu'on était là-bas, normalement, on va utiliser celui-ci. Ça ira mieux. Voilà. Là, on peut aller chercher nos objets maintenant. C'est bon, je sais où c'est. Courtil, si tu veux vivre. Eh ben non, tu veux pas vivre apparemment. Oh. Fatch. Là, j'ai quasiment plus de vie. Oh bah faut le savoir hein. Oh oh. Punaise, il est où? Tiens. Ah bah toi par contre j'ai pas pu t'avoir donc on se casse. Et là, casse-toi vite, Jill, casse-toi vite. Voilà. Jill, rien ne fonctionne là-dedans. Je vais tenter de réparer ça. Je t'appelle si ça marche. On tourne en rond. Tu vas bien? Ouais, ça va. J'ai l'impression que c'est le but de cette mission, tourner en rond. Ah bah ça c'est sûr que quand on connaît plus trop le jeu on tourne en rond. Ça. Oh mais non. Hop. Bon là je t'ai mis normalement un critical hit. Voilà.
tout ça pour une clé, quoi. Oh, ça me fait. C'est réparé. Rejoins-moi dans la salle des machines. Ouais, ça va, j'ai rechargé avant. Ouais, quoique. Il aura fait si mal que ça, à mon avis, le fusil à pompe, hein, parce que. L'autre, il s'est pas relevé. C'est bon, je suis prêt à remettre le jus. Mets-toi en position. Allez. In position. Et voilà. C'est reparti. Qu'est-ce que. Effectivement, c'est reparti. Les ennuis qui commencent. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh, fudge. Oh, lolololololol. Ben en même temps, c'est normal que ça va pas s'arrêter. Hein. Ok, donc là, c'est le 5-2 qui est fini. Ah, il y a encore quelque chose. Ah ben, suivant. Allons-y, soyons fous. Soyons fous. D'accord, je comprends la situation. Le jeton de sécurité que vous avez trouvé provient sûrement de l'avion cargo. Vous avez des nouvelles de Jill et Parker? Non, pas encore. Leurs recherches les ont menées en pleine mer. Mais nous avons perdu toute trace du bateau. Ça ne présage rien de bon. J'espère que ça ira. Ouais, moi aussi. Ils ont disparu depuis trop longtemps. Je commence à m'inquiéter. Trouvez un ordinateur sur le site du crash et essayez de découvrir ce que Veltro prépare. Le site du crash est derrière. Allez, dis Grinder, ce serait pas super si on résolvait cette mission? Bon. Maintenant, on se rend avec ces deux-là. Ça doit être ça, le soleil de minuit. Des armes biologiques? Je me disais que ça allait arriver. Faux, parce que c'est des loups et que leurs crânes vont pas s'ouvrir. Ouais. C'est bien, tu l'as tué. Et pas si teubé que ça. Grinder, je vais voir les ordinateurs. Ah, punaise. Quid, on te barre pas comme ça. Quel gros kick. Oh punaise, ça commence déjà bien. Oh. Ah oui quand même. Ah oui, le problème avec la G36 c'est qu'elle est pas rapide. Ok. Mais elle doit faire pas... Ouais, elle fait plus de dégâts que les autres mitraillettes. Donc ça va. Apparemment, je suis mal, mais... Allez, Grinder! Qu'est-ce que tu fous? Oh... Là, je vais faire gaffe quand même, parce que... Ouais, ok. Oh, du calme! Qu'est-ce qui te prend? Un truc! Je sais pas, un truc m'a frappé! Quoi? Hey, on vient de me frapper! C'était peut-être l'homme invisible! Je te jure! T'es sûr? C'est un... Hop. Putain. Je comprends mieux ce qui se passait sur ces vidéos. Le fantôme, c'est un nouveau type de Hunter. Merci pour l'explication. Je t'ai dit que ça craignait. Comment je fais pour le viser si je le vois pas? Ben, tu fais gaffe à ce qu'il y a à terre. Bon, par contre, dépêche-toi avant qu'il te saute dessus, toi. Oh purée.
c'est pas qui me casse les pieds, mais bon. Ouais. Un de moins. Deux de moins, tu vois. Je sais pas, vu qu'ils sont invisibles. Oh, ça craint mort. Bon, merde. Non. Et j'ai déjà plus de trousse de soins, ça va pas là. Eh mais... Aïe aïe aïe. Oh. Sale histoire tout ça, sale histoire. Oh là. Et encore un de moins. Ils sont mignons mais... Il en reste combien? Je t'ai dit, je sais pas. Ouh. Ah. Punaise, bon bah je suis mort. Recherche, dépêche-toi. Ouais, tu crois, bah moi je crois en tout cas que je suis KO là. Voilà. J'aurais même pas le temps de faire de toute façon quelque chose là-dedans. Les lenteurs sont vraiment trop puissants. Ok. Pour être envie de me casser les pieds avec de la lecture. Ah. Allez, Hunter, ça va être un peu compliqué de les viser. Donc, s'ils peuvent se mettre en invisible, on passe pris. C'est bien, moi j'ai quand même récupéré. Ce qu'il me faut. C'était pas ça que je voulais faire. Ok. De toute façon, dans la phase de gameplay, faut toujours vérifier. Putain, elle aurait pu le faire, ce sale geek. Oh non, on me dit pas qu'on va devoir faire ça aussi. Ok, tout a l'air de fonctionner ici. Allez, Quint, à toi de jouer. Ok. Je trouve pas les transmissions. Bon, je vais essayer autre chose. T'es doué avec les ordi. En revanche, pour les femmes... Hey. Grinder, qu'est-ce qui se passe? On doit joindre le QG tout de suite. Ici le QG. O'Brien, j'écoute. Qu'est-ce que... Ici Jackass. J'ai les coordonnées du bateau. Je vous les envoie. Bon travail. J'aime bien ce genre d'appel. Bravo. Bien joué pour les coordonnées. Ouais. J'aurais pu calculer la distance du dernier trajet connu, mais ça aurait pris trop de temps. C'est pour ça que j'ai dit bravo. Mais t'as pas compris? J'ai calculé que dalle. On n'est pas les seuls à chercher ce bateau. Cherchent leur bateau. C'est exactement ça. Mais je n'ai aucun moyen de savoir si les infos que j'ai trouvées sont fiables ou pas. Génial. En fait, on sait toujours pas à qui on a affaire. Exactement. Et c'est une pièce très importante du puzzle. Wouah, il veut nous embrouiller le cerveau, lui. Ici Chris, j'ai reçu les coordonnées. C'est tout prêt. On peut y être rapidement. Bon, Brian, on y va. Ok, bah voilà.
l'épisode 5 est terminé les amis, donc les secrets dévoilés, c'est fini. Les résultats, oui, 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 ça va pas être fameux. Je suis resté à 80% à 80%. Moi, ça va. Ça va, c'était un bon petit épisode quand même. Donc voilà les amis, j'espère que l'épisode vous aura plu. On va se retrouver pour l'épisode 5. Très bientôt. Donc, à bientôt et salut à tous.